jeudi 11 et vendredi 12 août, avait lieu l'exposition des talents villarins dans la salle des fêtes de Saint-Colomban-des-Villars. Une occasion en or pour les artistes de cette montagne de présenter leurs œuvres d'art et leurs travaux. C'est ainsi que amateurs et professionnels se rassemblent tous les ans pour présenter leurs réalisations. Maurice Boucher-Flocher, à l'origine de cette exposition, nous la présente. Eh bien, ça s'appelle le talent des Villarins. Ce n'est pas tout à fait le même nom qu'on leur a donné en 2001. Parce que cette association a été créée en 2001 et nous étions 5 pour commencer. Ce qui veut dire que depuis 2001, il y a une grosse extension. De 5, nous sommes passés à 25 et 27 demain. Et on a, d'année en année, ça évolue en qualité, bien entendu, surtout en peinture. Ça innove sans arrêt, ce qui est très bien, ce qui attire d'ailleurs la clientèle et qui fait plaisir aussi à ceux qui font ce genre de peinture. L'association des Petites Mains était également présente pour cette exposition. Elles ont ainsi présenté aux visiteurs leurs travaux de broderie et de couture. Les élèves de l'école intercommunale ont aussi présenté leurs dessins réalisés en périscolaire. Daniel Nicole, très active dans la réalisation de cette exposition, est toujours aussi émerveillée des talents présents. Alors, à Saint-Colomban-de-Villars, vous avez peut-être constaté en vous promenant qu'il y a une diversité de talents extraordinaire. Il y en a dans tous les domaines, que ce soit en poterie, et nous allons avoir, m'a-t-on dit, un potier qui va s'installer bientôt chez nous. Et il y en a en peinture, vous en avez vu plusieurs stands. Il y a également beaucoup de travaux d'aiguilles. Il y a des travaux, comment pourrais-je les appeler, des travaux manuels qui se rapprochent du bricolage, mais qui montrent qu'il y a une diversité, une imagination, une énergie qui est assez extraordinaire dans cette vallée. Et puis à part ça, ben, ma foi, je me réjouis de la présence de tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de gens et il y aura beaucoup de visiteurs demain.